Alors, comme vous pouvez le constater, cette décision ne fait pas l'unanimité. Maintenant, allons voir les commentaires des gens, des connaissances qui sont plus près de Madame Paquin. Alors, écoutons. Allô Sylvie, j'espère que tu vas bien. C'est juste pour te souhaiter un bon départ, te dire que tu vas vraiment nous manquer, puis que on a apprécié de travailler avec. Bon, je parle pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec toi. Tu étais vraiment une chef magnifique. Tu vas beaucoup nous manquer, fait que. Bon retour auprès des tiens. Tu es vraiment quelqu'un de magnifique. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi durant le temps qu'on était ensemble. Profite bien. Bye. Bisous. Allô Sylvie, je voulais te souhaiter une belle retraite. Je voulais te dire que tu vas vraiment nous manquer. Tu as vraiment été la meilleure boss que j'ai eue de ma vie. C'est même pas une joke. Tu as vraiment été compréhensible, gentille puis douce. J'aimais ça qu'on pouvait parler de tout et de rien. Puis je me sentais vraiment à l'aise avec toi. Puis j'espère vraiment qu'on va se voir en vrai. Puis je te souhaite le meilleur. Bonne retraite. Allô Sylvie, voici un petit mot pour te souhaiter une joyeuse retraite. Donc merci infiniment pour tout ce que tu m'as apporté, pour ce qui est de ta bonne humeur, ta joie de vivre. Donc c'est la fin d'une aventure, mais le début d'une nouvelle. Mais je te souhaite tout le bonheur dans tes nouveaux projets et espérons pouvoir te revoir. Bon, Sylvie, comme tu peux voir, je suis dans ton bureau avec monsieur ici, un pianiste de renommée et une violoniste de renommée. Tu sais que j'ai commencé à jouer du violon il y a 2 ans et pour toi, je me suis pratiquée à jouer une petite tune. Tu vas capoter, mon ami, ça va comme suit. Ah. Mon ami, je t'aime à la folie. Repose-toi de moi. Coucou, petite Paquin, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu es rendu à une étape dans ta vie que je t'envie vraiment beaucoup. Cette belle étape-là qui est la retraite, je t'en souhaite une belle, extraordinaire, merveilleuse. J'espère que tu vas prendre du temps pour toi. Prendre ton petit café tranquille le matin, pas de stress, aller jouer au golf quand tu veux, voyager quand tu veux. Tu pourras partir un mercredi, un jeudi, ça n'a plus vraiment d'importance. Fait que, écoute, je te souhaite tout plein de beaux petits bonheurs, de beaux petits moments. Puis, par la même occasion, ben j'aimerais te dire aussi que j'ai vraiment apprécié travailler avec toi. J'ai vraiment beaucoup eu du plaisir à travailler avec toi. C'était toujours agréable, c'était toujours plaisant. En tout cas, moi, j'ai eu bien du fun à travailler avec toi. Fait que c'est ça, puis les petites amies, ben c'est ça. On a tissé des liens qui sont très serrés, puis j'espère que ces liens-là vont rester pour toute la vie. Je le souhaite de tout mon cœur. Fait que c'est ça, mon ami, garde, enjoy, profite-en, je te souhaite un beau party, profite de ta soirée, laisse-toi gâter avec par ceux que tu aimes, puis c'est ça le bonheur. Fait que juste te dire, mon ami, que c'est ça, je m'ennuie vraiment, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte qu'on puisse jaser ensemble, qu'on puisse échanger, puis que... C'est ça, qu'on passe du bon temps, dans le fond. Fait que, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente soirée. Je suis certaine que tu vas avoir plein d'émotions, puis c'est normal aussi. Fait que, profite-en plein. Puis, c'est